Yo 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 yo, salut à tous, ici Chita, j'espère que vous allez mal et que vous n'avez pas le moral, mais trouvez une vidéo joviale. Les gens, c'est le premier épisode qu'on m'a demandé depuis moult temps sur The Forest. On a fait une découverte sur 2 semaines, on a d'ailleurs fini le jeu alors que l'origine c'était pas du tout prévu. Parce que ce jeu est incroyable, croyez-moi les gars, il est vraiment insane. Et si vous ne l'avez pas encore testé, je vous invite vraiment à le tester. Si vous ne me croyez pas, ça tombe bien, on va faire un let's play d'une dizaine d'épisodes où on va finir le jeu dans sa totalité. Du moins on va aller jusqu'au bout, on va récupérer toutes les armes, tout ce qu'il y a à faire. Alors sachez que pour la première semaine de découverte, je me suis absolument pas spoilé, je n'avais strictement rien vu du jeu. Donc vous allez pouvoir voir vraiment la découverte du jeu au fur et à mesure des épisodes. Le premier épisode, forcément, je comprenais rien, je savais pas comment faire même de cuire de la viande, etc. Mais au fur et à mesure des épisodes, plus ça va aller, plus on va être efficace et plus on va pouvoir combattre de plus en plus de cannibales, les gollums comme je les appelle. Dans tous les cas, j'espère que cette série et cette vidéo vont vous plaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Chita, enjoy, ciao. Ok. Génial, il me semblait bien qu'on commençait dans un avion. Je verrai peut-être que je modifierai la cam de place en fonction de où sont placés les HUD, etc. etc. Pour l'instant, rien de spécial, on est dans l'avion. Génial. Bonjour. Ok, j'ai mon petit bébé qui dort à côté de moi. Et il y a eux. Si je fais eux, il se passe quoi? Fortimi. Oh, un bouquin de survivalisme. Tiens donc, ça va me servir. J'ai pas fini. J'ai encore mon poisson à manger. Et merde. Génial. Ça commence bien. Méga bien fait. T'inquiète fiston, tout va bien. Tout va bien. Je gère la situation. Peut-être pas. Tu connais pas le jeu, Nino? Moi non plus. Non, ça va. Les avions et moi, c'est une longue histoire, mais j'ai pas de soucis avec les avions. Ok, je me suis fait mal. Il y avait un mec devant moi, debout. Peut-être que c'est un pote. Ok. Génial. Donc à droite c'est ma fin j'imagine, il y a mon eau et le truc qui tourne autour en qui clignote, à mon avis c'est peut-être ma stam ou ma vie. Non c'est ma vie à mon avis. Et en bas à gauche c'est ma stam. Très bien, donc il y a écrit... Est-ce que je vous changerai pas un petit peu la cam de place pour que ce soit plus cool pour vous? Parce que vous voyez pas le truc là. Là ouais mais je me trouve vraiment au milieu quoi. On va se mettre là, écoutez, vous n'êtes pas là pour voir les instructions, vous êtes là pour voir le gameplay. Parce qu'on est un gamer. Alors, low energy, eat something to get some rest. Il n'y a pas le jeu en français. Et donc, il faut que je mange. Faut que je mange, je suis dans un avion, il vient de se péter la gueule. Mais c'est moi, il y a la même chose de chaque côté. Ah non. Ah, c'est juste que la sensi est extrêmement élevée. Ah là, c'est un peu mieux, je crois. Waouh, la sensi est insane. Ok, bon. Écoutez, je prends les trucs, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bouffer! Allez hop! Je suis un survivant, mon gars. C'est quoi ça? Ok, j'ai. Add a new item. Je fais inventaire. D'accord, c'est mon inventaire. J'ai une caillette de coca. Pour de l'énergie, génial. Bose, crafting ingredients. Ok, c'est un truc pour crafter, j'imagine. Un sac, backpack. Ah, un survival guide. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Fire! Basic fire, il me faut des feuilles et 2 branches. Génial. C'est trop bien ce truc là, eh. C'est comme le manuel pour les castors juniors. Génial. Un gameplay, on peut... ah si là, language. Portugais. Retour. Ah, là d'un seul coup c'est mieux. Donc du coup si ouvre mon manuel de castors juniors là, il est où? Là. Cabane d'arbre. On peut faire des cabanes dans les arbres. Oh là 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 là, je suis en mode scout les gars. Parfait. Toute ma vie. Ok, donc je prends des quoi? Des sodas. Génial. Ah, moi je pue l'avion. L'avion il va me tomber. Oh, il y a de la bouffe. Boom baby. Bon bah du coup j'ai bien fait de pas finir ce que j'avais à bouffer dans l'avion. Là y'a rien. Tu sais, j'ai l'impression que je suis comme les nettoyeurs dans les avions, tu sais. Je passe dans les... au milieu en mode... Bonjour madame, est-ce que vous voulez que je vous débarque? Oh, une hache. Excusez-moi.
C'est dégueulasse. Très bien. Bon. Ok, on a un avion. Et normalement, j'ai tout fait, tout ce qu'il y avait à prendre dedans. Je vérifie quand même, on sait jamais, ça peut m'aider. Je suis full bouffe. Grâce au super repas dans l'avion, on est content. Alors, bon, bah on sort, hein. J'ose pas trop, parce qu'il y avait pas un mec qui creusait, là, quand je suis... Il y a un mec qui creusait par ici, non? Il y a un truc cadenas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux pas le récupérer pour l'instant, je pense. C'est con, parce que du coup, je pourrais pas changer mon calbar. C'est vraiment dommage, hein. Oh, une araignée! Je peux la récupérer? Ah non, d'accord, ok. Ok, c'est ce cadenas, j'imagine que du coup... Je l'ouvrirai plus tard. Ouh, il y a un truc là! Pas! Nouvel animal découvert. Boum! Allez, un peu de peau! Oh, c'est dégueulasse! Parfait. Ok, jusque-là, le gameplay est pas trop compliqué. Tu tapes des trucs, tu les dépeces. Oh, il y a un campement devant moi. MDR. Oh, il y a une hache, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, non, mais ça pue, ça, c'est quoi ça? Bah écoutez, je prends une tête. Ah oui, par contre, ça. C'est moins ragoûtant. Un peu de viande. Alors j'imagine que c'est simple, hein. Enfin, c'est simple. Faut gérer sa bouffe, son eau. Sa stamina, c'est lequel? D'accord, c'est le bleu clair, la stamina, en bas à droite. Génial. Donc là, j'ai 10 milliards de trucs que je peux pas récupérer. Tiens, un caillou. J'ai que l'inventaire, quoi. J'ai que la petite bâche. Donc j'ai une peau. J'ai de la pierre, Zigoza. Du tissu, génial. Une hache, un briquet. Un briquet, un briquet. Un manifeste de passage. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah ouais, c'est pas mal ça. Bah, ah, j'ai même boire un coup. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai bu un coup. Manifeste de passage, comment on fait pour le lire? Bonjour. Mesdames et messieurs, veuillez prendre l'avion à destination de Paris-Montparnasse. Passez à bien valider votre passeport et à passer par le quai de sécurité. Monsieur Fox D, vous êtes placé en SD35N2342, bref. Ok, c'est pas le but du jeu. Quoi, j'ai encore bu? Je voulais pas. Regardez si je fais inventaire. Et ça c'est tissu artisanal. Hein? C'était quoi qui brillait là? Ah, c'est des bidons de carburant. C'est marrant ce système d'inventaire. Je trouve ça grave cool. Il faut que je j'ouvre avec ma machette. Ok. Tu peux casser les valises verrouillées. Ça roule. Bam. Ah. Une fois ça suffit. Ah bon, on récupère. Hein. Bam. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des calbars? Non. Un t-shirt et un anka. Un anka. Génial. Là encore une valise. Tac. De toute façon ils en auront plus besoin. Hein, là où ils sont. Hein. Qu'on se le dise. Il a l'air trop bien le jeu, il a l'air grave intéressant. Rien que dit dès le début, je me rends compte que grave fluide, grave beau, c'est sympa. Bam! Qu'avons-nous là-dedans? C'est quoi ce truc-là là? Ah, c'est du tissu récupéré, d'accord. Je pensais que c'était genre des vêtements que je récupérais. Genre, je me suis dit, c'est bon, je vais mettre un t-shirt un peu à la 7 Day. Ok, ici encore une valise. Boum! Oh, de l'argent! Ça me servira à quoi ici de l'argent? Un caillou. Je peux taper sur un arbre ou pas? Une nouvelle plante découverte. Vas-y, je vais le casser. Oh, génial! Allez! On y est presque! Ah, c'est énorme! Vous avez vu? Il faut te décaler par rapport à l'arbre pour bien tout péter. C'est génial! En gros, si je reste au même endroit que je tape tout le temps au même endroit, c'est pas comme sur Arc que tu vas finir l'arbre. Il faut décaler. Et limite, tu peux taper dans le bon sens pour que l'arbre tombe dans le bon sens. Génial. T'as par contre sacrément costaud, le gars. Ah! Pas sur l'avion! Aïe, 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 je vous jure, Airbus, c'est pas moi. Personne? Ok. Là, je fais E et boum! Je peux le lâcher ou pas? Ah merde, comment je fais pour le lâcher? Ah! Ah! Lâche ça! Je veux plus! Ah, c'est G! Ok. Oh, on m'avait dit que c'était un jeu d'horreur, mais finalement, on se croirait au Canada. Hop.
J'ai fait combien de branches là? J'en ai fait deux ou trois. Il y en a encore là-bas. Il y a des trucs à récupérer là. Des plantes, génial. Hop là! Costaud le bonhomme. Oh, un petit lapin. Ouah, attends. Donne ta bouffe. Ici. Il y en a deux. Ah! Non, c'est, je vous laisse le lapin. Non, je vous laisse le lapin. Je vous donne des troncs. Tenez, monsieur. Tiens. Oh mon dieu, je les ai vus. Eh, ça va, on partage. Ça va, on partage. Soit, je sens qu'il me veut pas du bien, lui. Tu me veux du bien? Bonjour. Ouais, je me suis écrasé dans l'avion à côté. T'aurais pas... un téléphone? Faudrait que j'appelle ma famille. Non, ils ont pas l'air de savoir causer. Non? Habla espagnol? English? Portugais? Oh putain! C'est Gollum! Oh putain, mais il m'attaque! Pourquoi tu m'attaques? J'ai une hache, mais c'est pour couper des arbres, pas pour vous attaquer. C'est quoi, eh? Et j'ai lu le manuel des castors juniors, moi j'ai pas peur. Ouais, c'est ça, ouais. Casse-toi, là. Viens. Ah! Alors, tu te calmes de suite, Bernard. Putain, mais résistons le truc. Ah, y'en a un deuxième. Non. Aïe. Aïe. Non mais, ok, je vous laisse tranquille. Putain, mais il est costaud le truc. Allez, boum, couché. Il est le deuxième. Casse-toi ou je... Alors. Non. Mais vas-y, monsieur. Oh, il y en a partout. C'est bon, je rigolais, je me casse. Ah, ma vie. C'est bon. Vas-y, je te rends ton pote. Ok, bon, j'imagine qu'il faut que je m'éloigne d'ici, que je me fasse une cabane ou un truc. Très bien. On est sur Terre. Un lapin. J'ai peur d'un lapin. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, mais... Hé, lâche-moi la grappe, toi. Je te straffe. Viens. Eh, viens. Viens goûter ma hache. Sale tube. Mais ici. Tu vas me lâcher la crap. C'est bon. T'as compris? Ah, j'ai plus de stamina. Qu'est-ce que je dois faire de l'écor? Ok, bon. Ah, il faut que tu cliques dans le manuel. D'accord, ok. Dans le manuel. Là. Ah, mais d'accord, j'ai pas besoin. Et là, ah oui, d'accord. Et là, je fais E. E. Hop. Ah, d'accord, je le construis comme ça. Futée. Boum. Et là, j'allume. Par contre, j'ai allumé avec de l'argent là, non? Il y a des dollars dessus. Ouais, utilise plutôt des feuilles, ouais. Ouais, l'argent, on va le garder. Comment on rentre dans l'inventaire? Pourquoi j'ai une branche dans la main? Comment on fait pour... Voilà, merci. C'est pas qu'une branche que je vais me défendre. Et vas-y, c'est bon ton briquet, fais pas le mariole. Oh! Saleté! M'intéresse. Alors attends, chaque chose en son temps. Pas trop de backseat s'il vous plaît. J'essaie aussi de découvrir un minimum. C'est plus quand je bloque qu'il faut m'aider. Oh, des champignons. Hop là, des feuilles. Oh là. J'ai un feu, casse-toi. Bah viens.
Je suis pain, je suis ton pote. Viens. Viens. Alors, t'avances pas, hein. Saleté, va. Ils sont combien? 1, ça va. 2, ça c'est jouable. 3, c'est compliqué. Oh, ok. Viens. Je m'appelle Machete, mon gars. Ah, t'as de la chance, t'avais un arbre. Y'a pas moyen de faire du bruit pour les faire partir là? Chut, circulez. Allez, un de moins. J'ai ma vie qui descend à une vitesse. Ah, il y avait un champi. Ah, oh, mais la nuit, les gars, ouais, je suis pas habitué au jeu. Il me faut les champis. Très bien. Incroyable. Là. Boum, baby. Mais je récupère que la peau. On peut pas récupérer plus que la peau. Lapin récupéré, boum. Ok, je rappelle mon lapin. Oh putain, le pauvre lapin. Toi, mon gars, tu vas aller dans mon estomac. Il y en a plein d'autres là. Attends, je voudrais bien le cuir. Comment je fais? Inventaire. Là, j'ai du lapin. Équipé. Comment je fais pour le faire? Oh merde, je viens de péter le lit. Là, je peux pas faire cuire la broche. Comment on fait pour... Mange les baies bleues et noires. C'est pas du troll, j'espère. Allume le feu. Bah attends, faut que je refasse un du coup. Ok, manuel. Boum. Ensuite. Feu. Boum. E. Boum. Hop là. J'allume le feu de camp. Ah, c'est. Boum. Vite, 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 cuit parce que je vais mourir de froid. De faim. Et je récupère quand c'est cuit. Faut que je suis d'autres lapins en vrai. Ok, et ça sert à quoi ça du coup, hein? Je sais pas à quoi ça sert. Du coup, ça sera un totem. Une patte de lapin, ça porte chance. Une tête de lapin. Je sais pas ce que ça donne, mais on va voir. Ton feu, faut que tu ajoutes des feuilles, des machins. Ouais, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure. Oh, mange! Est-ce que ça nourrit ce truc là? Ah, bah ça m'a mis full! Un lapin, c'est full bouffe! Oh non. Ah, je peux découper le cadavre aussi et le manger? Comment je fais? Je prends ma hache. Ah bah. J'ai tué un truc au passage, tiens. Mais je peux pas le découper le cadavre. Faut que je tape longtemps dessus? Je tape dessus, moi. Ah ouais! Ah ouais! Allez hop! Vas-y, je mange les morceaux. C'est dégueulasse. À peine arrivé, je suis déjà cannibale. Oh, pardon. Mais pourquoi tu te mets devant toi aussi? Allez hop, un bras en plus. C'est la tête, on s'en fout. Ok, le bras. Je fais comment pour le manger ce truc là? Le bras. Bout de viande récupéré. Mais c'est pas possible. Saleté de corbeau. Casse-toi de là! Mais! Mais c'est un... ça va pas. Les gars, on va manger du corbeau aujourd'hui. Hop. Comment on fait pour me mettre à cuire? J'ai plein de viande sur moi. Équipé. C'est. Faut que je fasse à chaque fois ce mécanisme-là? Je l'équipe. Oh, mais ça va être long. Hop, un autre petit bout de viande. Et on continue de le taper, hein. Il a encore une jambe. On va se faire un abri temporaire. On va se mettre ici. Alors qu'avec R, normalement, je peux le tourner. Hop là. Bon, bah, c'est vraiment un abri temporaire, hein. Là, je fais E.
Là, je mets du bois dedans. Ah, j'ai plus de bois. Ok, les feuilles. Ok, il me manque juste un peu de bois. Allons trouver du bois. Je pouvais pas emporter plus. Je suis sentimental, je trouve ça vachement fixe pour son fils. Bah ouais, mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a perdu beaucoup de trucs, hein. Oh non, pas Bambi. Eh les gars, on est à un point où on doit survivre, là. Y a pas de... pas Bambi, pas de machin, on bute tout. On mange tout. C'est vrai que ce jeu en multi, ça peut être drôle aussi, hein. En mode, vas-y, donne-moi un bout de ta jambe. Boum, baby. Comment on fait, du coup? Z, c'est pour dormir. Et c'est quoi? Oh, c'est pour sauvegarder. Emplacement 1. J'ai sauvegardé et Z, c'est pour dormir. Nourriture. Ah, une cage à lapin. Énorme. Oh, waouh. Tellement de trucs à faire. Rondin, par contre, il en faut plein. Mais admettons, si je fais ça. Mais attends, mais vous savez quoi? Je vais la placer. Non, lâche ça. Je vais la placer. Tiens, j'ai mangé le dernier morceau avant qu'il brûle. Près de l'eau, faire une jolie cabane. Ça peut être sympa. Ça marche, Nino. Il y en a certains qui sont violents. Ouais, mais je pense que si je me trompe pas, et dans la logique du jeu, je pense qu'ils vont être de plus en plus violents en fait. C'est ça. Hein. Au début, ils sont plutôt faciles. Tu les tues en 4-5 coups de hache. On va dire 6, grand max. Mais après, on est de plus en plus violents. Il va falloir que je fasse un campement, que je fasse des défenses autour, que je mette des murailles. Etc, etc. J'imagine. La faucheuse te suit. Genre, c'est là l'eau. Là. Et je fais E. Ah, mais il faut faire plusieurs fois d'ailleurs. Ah, elle est pas très bonne par contre l'eau, hein. Ok, il y a un peu plus de lumière, histoire que je vois un petit peu comment je pose ma cabane. On va la poser là. Manuel des castors junior. Boum. Cabane en rondin. On va faire R. Comment on pourrait se la mettre? Ça, c'est l'entrée. On pourrait se la mettre un peu. Là, il y a l'eau. Là, il n'y a pas l'eau. E. Maintenant, il faut que je mette des rondins. Donc, les rondins, j'imagine qu'il faut que je fasse. Ah mais attends, mais je vais le faire tomber sur ma cabane là. Ça tombe? Toujours pas? Boum! Ça tombe où? Pas sur la cabane! Oh, juste à côté. J'ai du bol. Salut astéroïde. Tu peux faire une cabane dans un arbre. Ah ouais, ça peut être grave cool. Et là maintenant il faut que je fasse E. Je m'approche du truc. Boum. Et un rondin. Ah il va falloir mettre des masses. Oui. Ce coup-ci je l'ai eu. Mais je récupère ma lance. Chaud en vrai. Parce que t'as pas le curseur. Salut mon alou. Hop. Brande mes lances, les autres sont partis à Pétaouchnok. Attends, récupère ça. Toujours récupérer les petits bouts de bois. Ça me servira. Ah, il est grave cool, il est grave chill en plus ce jeu. Enfin, il est chill. Quand je dis chill, c'est genre... L'immersion est quand même sympa. Les petits bruitages. Ce que j'aurais pu manger au passage. C'est stylé, hein. C'est vraiment pas genre un buisson en tant que tel. Faut que tu bouffes de chaque côté. C'est-à-dire qu'en gros, là, je bouffe d'un côté. Il y en a encore de l'autre côté, quoi. Il faut que tu cherches les petites baies et que tu les manges, quoi. Je trouve ça génial. T'as vu? Et après, tu casses. C'est pareil pour les arbres. C'est pas genre tu vois un arbre, tu tapes dessus jusqu'au bout. Il faut que tu te... Il faut que tu tournes autour de l'arbre, quoi. Bon. Ma petite cabane. J'avais laissé mes rondins, là, dans le coin, non? Voilà. Hop là. On peut en prendre plus que deux ou pas? Déforestation pour une cabane. Ça va.
Là, je suis dans la survie, hein. Il n'y a plus de réchauffement climatique, tout ça, hein. Hop. 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 On peut mettre des gros rondins pour faire du feu de camp. Hop. Deux. Je peux prendre plus ou pas? Trois. Ah non, d'accord. Trois, ça passe pas. Allez, plus que deux. Parfait, j'ai zé. Mesdames et messieurs, ma première cabane est faite. Boom, baby. Ah, d'un seul coup, je me sens mieux quand il fait jour, hein, dans ce jeu. Oh non, non. Il est où mon feu de camp? Il est là. Alors, on va faire Boom, petit briquet. Tic-tac-touc. On va mettre deux trucs à bouffer. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tricherie. Attends, faut que j'équipe du coup. On va prendre du lézard. Voilà, du lézard, c'est très bien. Voilà, et on va se manger un peu de lapin. Parfait. Hop. Perfecto. Du coup, il faut que j'avance un petit peu sur mon... Voilà. Oh, il est trop bien ce jeu. Depuis le temps qu'on me disait qu'il était trop bien. Ça va plutôt vite. Ouais, je trouve que c'est plutôt rapide, mine de rien. On vient de faire une... on vient de commencer, on a déjà quand même fait pas mal de petits trucs. Pas mal de choses cool. On a fait un piège, c'est le principal. Un piège à lapin. Enfin, j'ai mangé un bout aussi, moi, parce que ça creuse de travailler. Ah! Oh putain, la merde! Ah, merci beaucoup, mon V7, d'avoir fait un sub à Bentrix! Et là, maintenant, est-ce que je peux le remettre bien droit? Vas-y, je le pousse! Ah! Si, c'est bon, je l'ai eu! Let's go! Oh, quand il a fait un saut parier, ça m'a fait penser à GTA. Allez, on y est presque là. Plus que deux. Boum! Et là. Mon petit chalet. Tout bimi. Est-ce qu'on peut l'agencer après le chalet? Est-ce qu'on peut y dormir aussi? R. 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 Ah, c'est la couleur du coup. On peut pas y dormir? Je peux pas faire comme l'autre? C'est là-bas seulement qu'il faut que je dorme? Elle fait flipper la biche. Ah, je suis content, on a fait un beau petit chalet. Du coup, je vais faire... C'est bon, c'est save? Alors, on est jour 6, normal. Emplacement jour 6, normal. Ok, parfait. Et putain, mais... Ouais, il galère à allumer son briquet, lui. Ok. Ok, 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 ok. Los Rentes. Grave cool. Vous en avez pensé quoi? C'était grave cool, ce jeu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. D'ailleurs, si c'est le cas, pense à t'abonner et à liker. Oui, c'est important. Oui, oui, c'est important. Oui, oui, oui.